Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le conflit OTAN, Ukraine et Russie. Donc on voit qu'il y a des tensions actuellement, un risque de guerre qui est présent entre la Russie et l'OTAN avec une possible invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc on voit que la situation s'envenime, l'OTAN, la Bulgarie, le Royaume et la Roumanie rejettent donc les exigences russes de retrait de l'Alliance Atlantique de ces deux pays. Donc Moscou menace les Occidentaux des conséquences les plus graves s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Donc la Russie exige des garanties pour sa sécurité et un retrait des bases autour du pays et elle n'obtient rien. Donc Poutine perd patience, ça peut se comprendre. Donc ces derniers jours, on a eu des communiqués à la fois des États-Unis, de la Russie et de Donetsk, s'accusant tous mutuellement de false flag à venir. Donc la situation est très tendue. Les Américains veulent une guerre en Ukraine, hein, sans doute à cause de son économie moribonde, là, et aussi peut-être jalouse du réseau de gazoduc Nord Stream 2 en faveur de l'Europe, là, pour récupérer le monopole, hein, face aux Russes. Donc guerre Russie contre l'Ukraine. On voit qu'il y a Israël aussi qui planifie une évacuation massive de juifs d'Ukraine et les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils ordonnaient l'évacuation des familles de membres du personnel de leur ambassade à Kiev en raison de la menace d'une opération militaire russe, accusant la Russie de masser ses forces à la frontière de l'Ukraine. L'OTAN a annoncé ce lundi 24 janvier le déploiement de navires et d'avions supplémentaires en Europe de l'Est. Donc situation très tendue. Éventuellement, il y a un plan d'attaque en cas d'invasion russe. Bon, voici le graphique, hein, en question. Alors, il y a plusieurs stratégies d'attaque a priori. Même si la Russie ne souhaite pas attaquer l'Ukraine, les provocations de l'OTAN vont peut-être l'y contraindre. Voilà, donc on voit ci-dessous le probable plan d'invasion qui serait alors réparti en trois phases. Cela demeure cependant une prédiction. Voilà, donc conflit alors à analyser au niveau astrologique. Donc je vais commencer avec le thème de l'Ukraine. Donc on voit que là, c'est dans le thème de l'Ukraine. Alors vous voyez, c'est un thème donc taureau ascendant cancer. Donc ce qui est important, c'est de voir actuellement donc les transits du moment. Donc au 24 janvier, hein, j'ai mis la date d'aujourd'hui 14h. Donc on voit dans le thème de l'Ukraine qu'il y a un carré céleste entre Saturne et Uranus dans la maison 11 et 9 ici. Ce qui indique des tensions géopolitiques actuelles avec ce risque de légère scission, hein, aspect de Quinconce au natal. Saturne ici en taureau, Quinconce à Uranus au natal. Je l'ai pas, il n'est pas affiché, mais voilà, il y a un trait vert normalement. Donc, ils sont maîtres de leur maison 8. Saturne-Uranus, maître de la 8. Il y a Mars d'ailleurs et Jupiter. Maison des crises donc. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une désescalade et un apaisement des tensions, comme en 1856? Car en 1856, n'oublions pas, à l'époque, il y a eu le cycle Jupiter-Neptune qui se formait, donc comme cette année, qui va se former là au mois d'avril. C'était la fin de la guerre de la Crimée, qui a eu lieu de 1853 à 1856. Donc je vous envoie donc à ma vidéo que j'ai faite sur les prévisions astrologiques 2022 où j'en parle, hein, vous verrez bien. Donc est-ce que c'est possible que ça répète donc le même processus, c'est-à-dire la fin de la guerre? Mais bon, après avoir, la guerre n'a même pas commencé, donc ça peut être assez rapide, ou alors il y aura peut-être une guerre assez longue, ou alors pas du tout, alors à voir, alors pour l'instant je ne peux pas dire. Alors avec Pluton transit sur Mars, on a Pluton ici qui passe sur Mars, là, natal. Trigone à Saturne, natal de l'Ukraine, ici. Saturne natal, pardon, ici. À 22 degrés. Donc un aspect quand même séparant, hein, qui s'éloigne. Parce que Saturne natal est en taureau, hein, il est maître de la conjonction Mars. Plutôt Mars, hein, c'est Saturne qui dirige cette conjonction, donc c'est pour ça que le trigone est assez fort. Alors
Alors certes, Uranus transite est sur le Pluton natal. On voit ici Uranus est sur Pluton, donc c'est un aspect assez souvent explosif de guerre. Donc en maison 11, hein, la maison 11 c'est la maison des crises politiques, et en quinconce, alors Uranus natal ici. Un quinconce, ce qui donne ce caractère imprévisible, hein, souvent et déstabilisant, mais éventuellement un accord de paix et de diplomatie pourrait être trouvé, même si actuellement il n'y a pas d'accord. Donc Uranus transite en taureau et au natal en balance. Donc Uranus en taureau et en natal c'est en balance. Donc deux signes plutôt pacifiques qui cherchent l'harmonie, la paix et la diplomatie et l'entente. De plus, le nœud nord transitera sur leur Saturne natal en 12. Le nœud nord, ici, va transiter sur le Saturne natal en 12 et formera un carré à Saturne transit en 9. Alors ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. Au moment de la conjonction donc Jupiter-Neptune du 12 avril. Donc au même moment, alors là, je m'en vais au 12 avril pour vous montrer. Donc, on voit au moment de la conjonction Jupiter-Neptune en haut là, il y aura le nœud nord sur Saturne, carré Saturne, à un degré près, donc un carré pratiquement exact, carré Saturne céleste. Donc là, on peut voir si vous voulez une concordance d'aspects donc assez intéressante, hein, car ce cycle sera en sextile à leur Saturne natal et Mars natal. Ce cycle, donc Jupiter-Neptune, est en sextile à Mars, donc aspect plutôt positif, et en même temps à Saturne, malgré qu'il y ait le carré dans le ciel. Donc ça peut vouloir dire, si vous voulez, un accord de paix éventuellement, mais sous contrôle d'autres nations. Saturne maître de 7, ici. Alors c'est peut-être une annexion d'une partie du territoire comme en 2014 avec la Crimée ou bien des sanctions à leur égard avec Saturne. Voilà, donc des sanctions pour l'Ukraine via la Russie ou l'OTAN. Enfin après les sanctions sont plutôt pour la Russie normalement. Alors là on parle de l'Ukraine bien sûr. Alors pour le thème justement donc de la Russie, donc, je vais mettre le thème la Fédération russe. Russie. Donc le thème de la Russie, donc le 12 décembre 93 à Moscou, donc j'ai pas l'heure exacte, donc j'ai pris le thème de réunification hein, après la chute du mur de Berlin. Donc j'ai cette date-là, alors après je sais pas, c'est peut-être pas une date très précise, mais j'ai trouvé que ça au niveau d'une date récente. Donc si je prends ce thème, donc sans l'heure, là, il y a néanmoins, donc on voit qu'il y a un fort amas en Sagittaire. Hein. Donc on voit la date du 12 avril. Alors j'avance au 12 avril comme tout à l'heure. Donc le cycle Jupiter-Neptune qui est ici, là, qui fait un carré à Mars. Mars natal et où Jupiter aura parcouru une bonne partie du signe des poissons. Donc Jupiter là actuellement le début du poisson, il va faire tout ça, donc il va former le carré à tout l'amas en Sagittaire de la Russie. Et justement Jupiter maîtrise le Sagittaire, donc il est d'autant plus fort le carré. Il va faire carré le Nord, Lune, Mercure, Vénus, Soleil et Mars. Donc un fort excès de confiance qui peut leur être préjudiciable hein, à la Russie. On le voit aussi donc par ses velléités guerrières actuelles, notamment avec ce Mars transit sur Mars natal. Là, il y a Mars. Alors actuellement, je vais revenir à la date d'aujourd'hui. Donc on est le 24. Mars transite sur le Mars natal. Donc Mars, au moment des tensions, c'était sur le Mars. Et là, Mars vient de transiter à 0 degré 0 du Capricorne. Donc heureusement, Mars en sextile à Saturne natal, ici. Enfin, il est passé du coup, c'était avant.
Donc après, voilà, l'aspect est peut-être encore présent, mais il est assez large, c'est vrai. Donc la Russie vivra le retour saturnien également, ici, là. Donc à partir de... Ça va commencer un petit peu là, voilà, dès juin, et juste après, il y aura des rétrogrades. Donc il va repasser deux fois dessus. Ouais, donc au moment de la conjonction Jupiter, il commence à y avoir le retour saturnien, on va dire, qui reforme ce sextile à Mars natal. Hein. Ici, ça reforme le sextile. Qui, une fois de plus, positif pour des actions militaires, mais en revanche, leur carré à Pluton natal laisse présager toujours des manœuvres en souterrain de leur adversaire. Ici. Lié, voilà. Donc c'est un carré assez dur présageant des conflits larvés. Alors ensuite, si je mets le thème de Poutine, donc j'en avais parlé dans une de mes vidéos, hein, je sais pas, je vous renvoie dessus, dans la vidéo des prévisions des personnalités politiques et religieuses. Alors Poutine. Voici son thème, hein, Balance et son Scorpion. Donc j'avais annoncé une rupture de dialogue dans les relations politiques. En effet, il avait Saturne en 3, carré Uranus, qui va transiter la maison 7. Donc là, il est en 6, mais bon, il va transiter notre maison 7. Déjà, 3, c'est les dialogues. Donc Uranus est maître de Saturne et de la maison 3, donc... C'est d'autant plus puissant, donc voilà, c'est pour ça que je parlais de risque de rupture diplomatique, de dialogue, c'est ce qui s'est passé avec Biden. Poutine a le retour donc de Mars transit sur son Mars natal, ici, donc il a eu ça au moment de déclenchement des hostilités, enfin des fortes tensions. Donc ça fait comme dans le thème de la Russie en fait, ce qui est déjà une indication, une résonance importante compte tenu du contexte actuel. Il a le trigone de Saturne transit donc en 3 à Saturne natal par contre. Et ça c'est plutôt positif car c'est en 11 et en 3, donc la politique avec le dialogue politique en fait. Mais ça c'est plutôt au niveau de la stratégie, parce qu'il s'est enfin un stratège, hein, il a quand même des planètes en balance, il a son scorpion. À travers ses discours, ses relations diplomatiques, donc signe de la balance, Saturne exalté en balance, Mercure conjoint Neptune, le diplomate. Mais en revanche, il est vrai que le carré de Saturne à Uranus transite à sa maison 7 natale ne permet pas de trouver facilement des accords. Donc le carré de Saturne à sa maison 7. Et Uranus, du coup, voilà. Bon, c'est un aspect qui a aucun compte son natal. Enfin, au carré au natal, je veux dire. Enfin, pourquoi j'ai mis quinconce? Un aspect au carré au natal, donc c'est d'autant plus difficile. Donc, quinconce par le Saturne transit, en fait, quinconce à Uranus natal, mais carré dans le ciel, donc ça, c'est vrai que c'est difficile pour les accords. Ça fait quand même des crises. Donc ces planètes sont maîtres de sa 3, risque de rupture de dialogue, donc comme c'est le cas voilà, avec Biden, où les médias ont déclaré que tout dialogue est impossible entre les USA et la Russie. C'est exactement ça. Voilà. Et ça reproduit le carré natal, hein, ce que j'avais dit. Donc on le voit ici dans le ciel, d'autant plus fort. Dans le secteur dialogue, hein, puis le partenariat au quotidien, maison 6, 6-7. Donc voilà. Et enfin, je vais vous mettre le thème de l'OTAN. Alors voici le thème de l'OTAN, donc du 4 avril 49 à 16h30 à Washington. Donc on voit que c'est un thème assez guerrier, hein, avec cet amas en bélier, hein, opposé Neptune, notamment des conflits maritimes, hein, qui peuvent ressortir. Donc au niveau des transits, donc on a le Pluton transit de l'OTAN qui se passe sur le Jupiter natal en 4,
Donc ça parle de transformation, d'expansion de territoire possible, hein, maison 4, Pluton la transformation, invasion qui peut donner des problèmes et des complications. Donc c'est carré aux nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires c'est toujours quelque chose d'important. Lunaire nato, donc on a Neptune aussi transit, donc on a Neptune aussi qui est en transit ici, qui fera un carré à la lune natale en 9. Alors il n'est pas encore effectif, ce sera plutôt l'année prochaine, et il y aura aussi le carré du ciel à Uranus, donc il y aura carré à cette triple conjonction là. Donc ça peut parler de dissolution par exemple de certains pays membres de l'OTAN. Donc Uranus, cela peut exprimer aussi des conflits maritimes donc, avec Neptune. Donc bon, comme c'est plus en 2023 pour l'instant, voilà, on verra, parce que là pour l'instant il est assez loin le carré. On a Uranus transit en 8, maison des crises, carré Saturne en 5, natal, et opposé Pluton, donc un T carré en fait, il est. On ne voit pas ce qu'il met que les aspects célestes au natal. Donc il y aurait un T carré ici. Hein. Saturne, Uranus et Pluton. Ça peut parler de. Bah, c'est un T carré explosif hein, qui peut signifier une guerre profonde et meurtrière. D'autant que Mars donc, vient de transiter le signe du Capricorne, on voit hein, actuellement. À ce jour, donc jusqu'au 6 mars 2022, il va transiter tout le Capricorne jusqu'au 6 mars. Il va former un carré sur l'amas en bélier. Donc il y a toutes ces planètes en bélier, là, Mercure, Mars, Vénus, Soleil, Lune noire, Nœud nord. Donc Mars maîtrise ces planètes-là, hein, parce que Mars est le maître du bélier, donc c'est d'autant plus fort ce carré. Donc attention, parce que là, ça risque vraiment d'être assez guerrier, assez violent. Donc ça en maison 7, un conflit entre les autres nations pour des questions de territoire. Mars en maison 4, en carré Neptune aussi. Carré Neptune natal, donc en cours de... Là, bientôt, hein, au cours de. Quoi, il va avancer là. 13 degrés, voilà, d'ici 13 février environ. Donc là, attention, ça peut être des conflits dans les... avec le Neptune, ces conflits navals, batailles maritimes, etc. Enfin, la Lune noire transite en maison 10 ici. Enfin, maison 9. J'avais mis en 10. Ah oui, avant maison 10, pardon. Transite la maison 10 au moment où il y a les tensions et les carrés à la lune noire natale. Voilà. Donc il y a un carré des deux lunes noires comme par hasard transite au natal au degré près, donc ça a un rôle à jouer dans le conflit hein, qui peut amener une part d'ombre et une dette karmique profonde au niveau guerrier. Voilà. Donc alors pour l'Ukraine, on peut voir qu'il peut y avoir, si vous voulez, une forme de tension, éventuellement une désescalade, surtout peut-être avec Poutine qui peut essayer de calmer le jeu, mais on voit quand même que la guerre ressort dans le thème de l'OTAN par contre. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Donc entre le thème de l'Ukraine, de la Russie, la Russie et Poutine, on voit qu'il peut y avoir éventuellement des escalades, des apaisements, mais en même temps, le thème de l'Ukraine et de l'OTAN, surtout, il est assez, assez guerrier, là, il est assez violent. Donc, au départ, j'avais tendance à dire qu'il y aurait éventuellement une escalade, un risque de paix. Alors, c'est vrai que ça peut être des effets d'annonce, comme beaucoup le disent, comme par exemple le président ukrainien a dit que c'était beaucoup les médias qui jouaient là-dessus, sur des effets d'annonce pour faire peur, mais c'est plus des essais, mais en même temps, si après, je sais pas si, je suis pas spécialiste, hein, mais s'ils commencent à amener beaucoup de blindés, de chars, de navires, voilà, autour du pays, je pense pas que c'est pour amuser la galerie, quand même, donc voilà, c'est assez quand même craignos. Donc c'est vrai que c'est à voir, hein, à suivre, hein, ce conflit qui est assez, assez dangereux. Parce que là, forcément, ça peut aller loin, mais bon, de ce que je vois, c'est mitigé. Alors, on reverra ça, on réactualisera ça au fur et à mesure comment que ça évolue, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même plus ou moins inquiétant, donc voilà, à suivre. Donc voilà, bah, j'ai terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.
Allez, portez-vous bien, au revoir.